Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en Pays de l'Uropois. Nous sommes avec le citoyen Alexandre Juvin Brunet, ancien capitaine de gendarmerie, et nous allons parler du Bataclan. Retour sur le Bataclan, parce que la vérité libère. La vérité libère, c'est un concept très, très chrétien. Si on ne se parle pas en vérité à soi-même et on ne parle pas en vérité aux autres, la liberté n'est qu'une illusion qui a été forgée par certains pour prendre le contrôle sur nos existences. Alors, le Bataclan, c'était il y a 7 ans, pratiquement. Ouais. Plus d'une centaine de morts. Environ 130. Des comptes officiels, je crois que ça dépasse les 130 morts. Donc 130 citoyens français principalement. Je crois qu'il y a eu quelques citoyens étrangers également dans le lot, mais une majorité, une extrême majorité de Français. Alors, cet événement, cet attentat, enfin, cette prise d'otages massive, etc. N'hésite pas à parler très fort parce que le micro est par là. Donc, ça, bien sûr, ça a été un choc pour tout le pays, on se souvient. Et toi, tu veux revenir dessus avec ton expérience de gendarme, ton expérience opérationnelle, ce que tu as appris dans les services. Ouais. Revenir dessus. Pour apporter ta pierre, en fait, au travail de vérité qui doit se faire. Oui. Ben, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones d'ombre, en fait, dans ce qui s'est passé au Bataclan ce jour-là. Malgré l'audition de Cazeneuve devant la représentation nationale, audition qui est très détaillée, mais qui fait la part belle, en fait, à la défausse de la plupart de ces hommes et de ces femmes politiques qui sont défaussés. Quand vous lisez Cazeneuve, tout ce qu'il a déposé ce jour-là, c'est « on a suivi le protocole ». Ok. Sauf que le protocole, c'est pas ça. Et le protocole, ce jour-là, n'a pas forcément été respecté par les responsables politiques. Pour une raison très simple, c'est que depuis les attentats de Bieslad en Russie, qui avaient choqué le monde entier par le nombre de morts, de victimes, plus de 300 morts, il faut le rappeler, les pouvoirs publics, la gendarmerie et la police avait commencé en fait à sortir un concept qu'on appelle le POM, la POM, c'est-à-dire la prise d'otage de masse. C'est-à-dire comment faire face demain en France à une prise d'otage de masse où traditionnellement les terroristes ne sont pas très nombreux, et ils peuvent être un, deux, et cibler un lieu ou deux lieux, et s'ils en ciblent 5, 10, 15, avec plus d'organisation. Donc on avait créé ce concept de POM pour faire face à ça. Donc ce qui s'est passé en 2015 au Bataclan, c'est une sorte de pas une prise d'otage de masse, il y a une masse de citoyens pris en otage, effectivement. Il y a eu trois lieux en simultanéité qui ont été touchés, mais le lieu principal, en fait, n'a pas été adressé en termes de menaces, comme je pense il aurait dû être adressé. Et je vais vous donner quelques détails qui vont aller dans le sens de certaines théories qui circulent, des théories que moi j'ai recroisées, alors pas toutes, certaines, c'est-à-dire que la chaîne hiérarchique, dans son intégralité, n'a pas pris ses responsabilités et a laissé des citoyens français face à leurs bourreaux pendant plus de 2 heures. Et je peux vous dire que 10 secondes face à un criminel armé, c'est long. Imaginez 2 heures. C'est insupportable. Et pendant ces 2 heures, ils ont leur joie en toute liberté, malgré l'initiative héroïque d'un commissaire et de son chauffeur qui avait essayé justement de pénétrer le Bataclan avec leur simple moyen. Excuse-moi, les simples moyens, c'était quoi leurs armes de service? C'est les armes de poing. Hein. Les armes de service. Donc on peut pas faire grand chose avec des armes de poing face à une Kalachnikov, ça c'est évident, parce que la Kalachnikov, elle vous met une balle entre les deux yeux à 300 mètres. Une arme de poing, si vous êtes précis à 25 voire 50 mètres, si vous êtes déjà un bon tireur. Voilà. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, et ces personnes-là sont d'authentiques héros. D'autres, par contre, qui étaient faits pour ça, qui ont été formés pour ça, entraînés pour ça, ont été laissés en arrière. Alors moi, je ne suis pas dans la hiérarchie policière, j'ai démissionné en 2013, je le précise, mais j'avais toujours des contacts et des réseaux dans la gendarmerie. Donc je peux parler de ce qui s'est passé dans le GIGN. Donc aujourd'hui, je ne vous donnerai naturellement aucun nom, bien sûr, mais je peux vous dire qu'il y a suffisamment d'éléments
avec des officiers toujours opérationnels, toujours dans les forces, et qui pourront prouver sur toute la chaîne hiérarchique, c'est-à-dire autant au niveau de la section opérationnelle, du GIGN, que de l'exécution, c'est-à-dire les chefs, qui étaient en contact direct avec le directeur de la gendarmerie, avec le Premier ministre, et aussi avec le préfet de police, donc les trois entités qui ont en fait coordonné, entre guillemets, toute cette opération. Durant plus de 2 heures, le GIGN était prêt. Ils étaient à 10 minutes en gyrophare du Bataclan. Ils étaient dans la caserne des Célestins. Voilà, 10 minutes. Ils étaient prêts. On leur a demandé pendant 2 heures de ne pas intervenir pour soi-disant laisser la place à d'autres unités d'intervention, mais qui ne sont pas intervenues en 30 minutes, ni en 20 minutes, ni en 40 minutes. Il leur a fallu 1h45, presque 2 heures. Alors après, ils ont réalisé leur assaut, mais le carnage était déjà fait. La plupart des gens ont été égorgés et viscérés. Voilà ce qui s'est passé. Et tout ça, parce qu'on a des représentants politiques qui, au mieux, n'ont pas été formés à la guerre et n'ont pas été formés à prendre des décisions rapides pour protéger les Français, au pire, ont laissé faire par couardise, par lâcheté, voire par incompétence. Et certaines théories vont vers encore plus d'immoralité. Donc toutes ces personnes-là, un jour, auront des comptes à rendre. Auront des comptes à rendre autant sur ce qui s'est passé depuis 2 ans, avec tout ce qui s'est passé sur le Covid, mais c'est un autre sujet, que ce qui s'est passé avec le Bataclan à l'époque. Et j'ai les noms des officiers. Des officiers subalternes à l'époque et des officiers généraux. Je les connais, je sais qui ils sont. Et un jour, ils devront en fait rendre compte de tout ce qui s'est passé et de tout ce qu'on leur a demandé de ne pas faire. Et parce que ce jour-là, c'est poser la question de la légitimité du combat, de la légitimité de nos missions. Ils ont souscrit aux ordres, ils étaient dans leur parfaite légalité. Par contre, n'était-il pas légitime qu'ils prennent toutes leurs armes pour aller secourir des Français dans la minute ? Des Français qui étaient mis en danger. En face, ce n'était pas une prise d'otage politique. Il n'y avait aucune négociation en face pour un but politique ou un but quelconque de délivrer des prisonniers politiques ou j'en passe. En face, c'était des terroristes qui étaient là pour tuer. Et ils l'ont fait. Et ils nous ont fait perdre du temps précieux. Et surtout, pire que ça, ils ont en fait fait perdre la vie à des concitoyens français. Et à ces Français-là, on leur doit la vérité, même s'ils sont morts. Et à leurs familles qui sont endeuillées, on leur doit la vérité aussi pour qu'ils puissent porter le deuil d'une meilleure manière. Mais ce que je dis là est très clair, ça sera factuel si on me le demande. Et je pense que toute cette affaire a été gentiment étouffée pour ne pas mettre en porte-à-faux ni le préfet de police, ni le ministre de l'Intérieur, Cazeneuve à l'époque, ni le ministre, le Premier ministre, Valls à l'époque, et encore moins le président Hollande. Mais toutes ces personnes-là auront un jour ou l'autre des comptes à rendre. Que ce soit maintenant ou un jour, quand le peuple de France aura repris le contrôle de ses institutions, de son appareil d'État, pour justement que justice soit faite. Voilà. On se demande à quoi peut servir, par exemple, Vigipirate. Dans les aéroports, etc., les gares, on voit des équipes de 4, 8 militaires avec de l'armement lourd quand même, des fusils d'assaut, qui patrouillent, etc. Ils ont des munitions, ils sont entraînés. Est-ce que des équipes de Vigipirate auraient pu intervenir en soutien aux simples policiers avec leurs armes de poing ? Alors moi, je n'ai pas cette information. Ce dont je vous parle, c'est ce dont je suis sûr. Parce que je connais les personnes, intimement, les officiers. Ok ? Par contre, ce qui s'est passé au niveau des Vigipirates, j'ai entendu dire que certaines escouades n'avaient pas pu se rapprocher du lieu. J'ai entendu dire également qu'un autre escadron de gendarmerie qui devait se déplacer sur site a eu un contre-ordre et il a dû faire demi-tour. Mais contre-ordre de qui ? Contre-ordre. Ben, contre-ordre, ça passe par le préfecture de police. Hein. Tout ce qui se passe dans Paris, de la moindre verbalisation pour une crotte de chien jusqu'à un attentat, c'est la préfecture de police. Si moi je me fais verbaliser sur la Concorde, c'est parce que par leur caméra, depuis leur passerelle, eh bien ils voient que je suis là et ils me verbalisent.
tout passe par la préfecture de police. Voilà. Et la préfecture de police, c'est ce qui verrouille Paris, et c'est ce qui verrouille la capitale, donc la France. Et derrière la préf, il y a quoi? Il y a le Premier ministre, et directement le Premier ministre et le Président. Voilà. On est en file directe. Mais, alors, tu nous as dit qu'il y avait le GIGN qui était prêt à intervenir. Mais c'est la BRI qui est intervenue. C'est la BRI qui est intervenue. Alors, ils ont leurs compétences, la BRI. Mais ce ne sont pas ceux qui ont le plus de savoir-faire, et j'insiste ici, sur des prises d'otages de cette criticité. C'était soit le RAID, soit le GIGN, à choisir. Alors, moi, j'y serais plus vers le GIGN, dont je connais les compétences. J'ai essayé d'intégrer ce corps prestigieux. J'avais pas réussi à l'époque. Mais ça aurait dû être le GIGN. Parce que c'était quelque chose qui était historique. Voilà. Ils ont envoyé une unité qui était formée pour ça, mais pas avec la même opérationnalité, à mon sens. Voilà. Donc, j'ai rien contre la BRI, bien sûr. Mais c'est pas la même chose. Et ils le savent. Voilà. Donc, ils ont envoyé une unité tierce, alors qu'ils auraient dû engager leurs unités les plus importantes et les plus opérationnelles sur la menace majeure. Alors, Cazeneuve, dans sa déposition, dit « Oui, mais on gardait en réserve opérationnelle le GIGN et le RAID pour éventuellement d'autres prises d'otages. Ben, » excusez-moi, c'est juste une prise d'otage de 130 personnes, ça ne vous suffit pas? Il faut que derrière, il y ait 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes pour vous activer le GIGN. On a des forcenés tous les jours en France où le GIGN se déplace. Un forcené, c'est une personne avec une arme à feu qui décide de prendre en otage soit son voisinage, soit lui-même, soit tire sur tout le monde. Une personne. Voilà. Et bien là, il y avait, je crois, deux, voire trois terroristes qui avaient pris en otage 100 Français. Je pense que c'est suffisamment important pour que le GIGN intervienne, voire le RAID. Mais la BRI a fait son travail, et comme elle devait le faire, mais avec 2 heures de retard. Mais ce n'est pas la faute de la BRI, c'est la faute des chefs. Voilà. Qui ont attendu 2 heures en se disant, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Ou peut-être autre chose encore. Mais en tout cas, les faits sont là. Ils ne sont pas déplacés pendant 2 heures, et ça a été un carnage. Alors après, on peut allumer sa bougie, on peut prendre sa brique, vous n'aurez pas ma haine, mais surtout, vous aurez mon incompétence. Ça oui. Et donc, c'est cette incompétence qu'on a payée ce jour-là. Et ça n'a pas suffi aux Français, et j'ai cru ce jour-là que la France allait se soulever. Face à autant d'incompétence, de veulerie, de couardise et de trahison. Et bien, elle ne s'était pas soulevée ce jour-là, en réaction. Elle ne s'est pas soulevée non plus à Nice derrière, elle s'est soulevée nulle part. Et c'est à cause de ce jour-là où je me suis dit, la France, l'âme de ce grand peuple, est morte. Voilà. C'était en 2015 que je me suis dit ça. Et je me suis trompé parce qu'après, ça s'est rallumé avec les gilets jaunes et ça s'est encore amplifié avec les primo-manifestants en 2021. Donc je m'étais trompé. Voilà. Comment tu peux expliquer... Il y a eu 3 points chauds au niveau de la journée du Bataclan. Il y avait le Stade de France, ouais. Il y avait le Bataclan, et puis il y avait une rue à côté avec des restaurants. Comment expliquer 2 heures de non-intervention sur le Bataclan? Ils ne savaient pas ce qui se passait, ils étaient paniqués. Toi, en tant qu'ancien militaire, ancien gendarme, ancien officier, tu analyses ces choses-là au niveau de la compréhension de la situation. C'était la panique. Explique-nous, donne-nous de la data de l'intérieur, de ce que toi, tu as pu trouver avec tes contacts, tes relations amicales, etc. Je n'ai pas plus investigué que ça parce que je n'ai pas d'autres éléments pour l'instant à vous apporter factuels. Donc, je ne suis pas là pour vous raconter la messe ou quoi que ce soit d'autre. Simplement, ce que je peux vous dire... C'est quand vous êtes face à une prise d'otage où il n'y a pas d'exécution d'otage, vous pouvez encore tenir la prise d'otage et essayer de négocier. C'est pour ça que le GIGN, le RAID et peut-être même la BRI ont de la négo. Ils ont une cellule négo qui s'occupe de ça. Voilà. Qui prennent contact avec les terroristes et essaient de les faire chanter le maximum, essaient de les assouplir pour qu'ils ne passent pas à l'acte et surtout que leur attention soit focalisée sur la négo. Justement. Et pas sur l'exécution des otages. Et pas sur autre chose, exactement. Mais là, l'exécution des otages a commencé tout de suite. Elle avait lieu. Donc là, il n'y a plus de questions à se poser. On intervient. On rentre dedans et on les défonce. Il faut que leur attention, elle soit portée sur la colonne d'assaut qui est en train de monter et qui va leur mettre une rafale entre les deux yeux. Voilà. C'est la seule attention qu'on doit apporter dans ce genre de situation. Et il n'y aurait peut-être pas eu autant de Français morts. Donc moi, ce jour-là,
J'étais dégoûté de ce que j'ai vu. Donc j'étais plus dans les forces. C'est pas ça qui m'a fait démissionner 2 ans auparavant, mais ça s'en rapprochait quand même un petit peu. Parce que j'avais observé déjà que le contrat social avait été passablement piétiné. Mais au niveau des autres officiers qui étaient encore en service dans la gendarmerie, quel est leur retour par rapport au Bataclan? Ben, le retour, c'est qu'il y a eu beaucoup d'intoxication. Je crois que le commandant d'escadron a été médaillé. Alors, quel escadron? Celui qui a eu un contre-ordre. Celui qui est resté bloqué, oui, du GIGN. Un escadron de gendarmerie mobile. D'accord. Qui était déployé sur Paris, qui allait sur la zone où il entendait donc qu'il y avait du grabuge, quoi. Il y a eu un contre-ordre. N'y allez pas. Faites demi-tour, allez sur un autre endroit. Mais ils avaient des armes lourdes. Ils ont un armement. Ils ont un armement. Pas forcément aussi lourd que ce que peut avoir le GIGN en intervention, quand c'est sur du forcené, mais souvent, il y a toujours un peloton d'intervention qui a des gilets pare-balles légers, voire lourds, et souvent des visières pare-balles, ce qui leur permet de mener des assauts. Et des fusils d'assaut. Et des fusils d'assaut, oui. Donc ils auraient pu, en tout cas, éviter le carnage à l'arme blanche à l'intérieur du Bataclan. À quoi bon avoir des militaires en Vigipirate, avec des FAMAS et maintenant avec des HK-416, si on n'utilise pas? À quoi bon? C'est juste pour tirer en l'air, faire la chasse aux pigeons. Il y a une menace, on la traite. Point barre. On est dirigé par des technocrates. Voilà. Qui sont à peine capables de lever leur stylo, si ce n'est lever leur cul pour aller au restaurant. Maintenant, il va voir que ça change. Parce que maintenant, le peuple français doit savoir qu'ils sont face à des personnes qui sont absolument incompétentes. Et si elles ne sont pas incompétentes, elles sont absolument immorales ou amorales. Elles n'ont aucune moralité de l'action publique, qui est celle de servir les autres et pas se servir. Souvent dans les armées, on appelle ça le self-service public. Les gens préfèrent se servir plutôt que servir le peuple français. Il faut qu'ils arrêtent de se servir maintenant et qu'ils rendent des comptes. Et ils vont en rendre. Je vous le dis qu'ils vont en rendre. Ça ne viendra peut-être pas par rapport à moi, parce que je ne sais pas ce qu'ils me feront en termes de mesures de rétorsion contre moi, mais en tout cas, il faudra qu'ils rendent des comptes un jour ou l'autre. Et pas dans 50 ans, quand tout sera déclassifié, comme ils savent le faire aussi. Parce que pendant 50 ans ensuite, quand tout est classifié, ils coulent les jours heureux, ils ont le temps de marier leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-enfants, et leurs crimes leur sont jamais reprochés. Ils sont jamais justiciables de rien. Ça va bientôt finir. Qu'ils le sachent. Après ces dysfonctionnements dans l'appareil étatique concernant le Bataclan, est-ce qu'il y a eu des remous dans la hiérarchie de la gendarmerie? Il y a eu des remous au GIGN. Je sais que là, beaucoup de mecs du GIGN ont reproché en fait à la hiérarchie de ne pas être intervenu. Donc il y a eu du rififi en intérieur, qui a vite été maté, parce que bon, c'est GIGN, donc c'est militaire quand même, donc garde à vos repos, quoi. Mais ces mecs-là, ils savent ce qui s'est passé. Ils savent tous. Voilà. Comment peuvent-ils encore avoir confiance dans ces technocrates, ces politiciens professionnels, qui finalement les ont empêchés de sauver des gens? Ils n'ont pas confiance en ces gens-là. Les gendarmes, les marins, les aviateurs, les soldats, les sous-officiers, officiers mariniers, officiers subalternes n'ont aucune confiance en ces gens-là. Mais ensuite, ceux qui deviennent, et j'en ai plein de ma promo, et je les salue, qui deviennent officiers supérieurs, voire officiers généraux, ils ont juste un seul credo pour passer, c'est être un tant soit peu compétent. Bon, on leur demande pas d'être des lumières non plus, mais surtout fermer leur gueule. Fermer leur gueule par rapport à tout ce qui se passe. Et toutes les trahisons, quelles qu'elles soient. Je parlais ce matin de trahison sur le plateau de Berkov, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. C'est la même chose, que ce soit en politique étrangère comme en politique intérieure, on est face à des traîtres. Des traîtres qui, d'ailleurs, sous Sarkozy, ont très intelligemment détricoté le code pénal pour justement être moins facilement poursuivis, moins facilement justiciables. Tout est cousu de fil blanc. Tout. À quand le basculement des corps constitués du côté du peuple dans son combat légitime pour la justice, la dignité et le bien commun de tous? À quand? Et quel niveau d'officier? Ça ne sera pas des colonels, ça ne sera pas des généraux à la retraite, puisqu'ils passent sur les plateaux de télé pour nous pousser à la guerre atomique. Donc. Ouais. Non, la seule clé que je vois, c'est avec les officiers subalternes, voire les premiers officiers supérieurs. C'est-à-dire chaque commandant, voire lieutenant-colonel max. Il peut rester des colonels, voire de très rares, très très rares généraux, ce que j'appelle légitimistes. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le sens
de leur mission, le sacré de leur mission, c'était de servir les citoyens qui sont constitués en nation et qui ont la vraie souveraineté. Cette souveraineté qui est donnée ensuite, qui est offerte, qui est donnée aux responsables politiques qui contrôlent l'appareil d'État. En mandat représentatif et pas en mandat impératif. Oui, mais je ne suis pas là pour discuter de la petite tambouille constitutionnelle. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous dire que le pouvoir est au peuple. Donc, les militaires, comme les policiers, comme les douaniers, comme ce que vous voulez, comme la pénitentiaire, ce que vous voulez, ils sont au service du public. Et ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Le public a derrière, c'est le peuple. Donc, quand on entend tous ces connards sur les plateaux dire « le peuple, c'est quoi ?», il faut leur distribuer des gifles, parce que le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde, c'est nous qui constituons le peuple. Nous sommes cette chose publique au milieu de tout. Voilà. Et ils l'ont détourné par la République, par différentes choses. Voilà. C'est la France d'abord, et la France c'est quoi? C'est une âme. C'est l'âme de son peuple, qui s'exprime par des millions de facettes et de sensibilités différentes. Voilà. Qu'elle soit à droite, gauche, centre, hyper-centre, ce que vous voulez. Peu importe. Peu importe. Mais c'est l'âme d'un grand peuple, et c'est lui qui est souverain. Voilà. Donc, si j'ai un seul message à envoyer donc, à tous les corps constitués, tous, c'est que vous servez le mauvais maître. Voilà. Vous servez un État profond qui mène une guerre invisible, qui a pris le contrôle de l'appareil d'État en soudoyant par la corruption, par la compromission de nos élites. Et cette corruption, cette compromission a retourné l'appareil d'État contre nous. Donc, contre vous également. Et donc, vous êtes dans des places relativement confortables. Ça vous permet de nourrir vos familles. Mais jusqu'à quand? Quand sera le désert en France? Ou quand sera la guerre en France? Ou quand une dictature réelle va tomber? Dans quel camp serez-vous? Serez-vous dans le camp du peuple pour rester en fait la force publique? La force publique? Ou allez-vous être dans le camp de tous ces opportunistes, de tous ces traîtres de l'État profond, et être en fait dans le camp de la garde prétorienne, de la milice privée, du mercenariat? Êtes-vous des mercenaires, des miliciens, ou êtes-vous la force publique? C'est la question que je vous pose. Mais sachez que beaucoup de Français en ont plus que marre, et ils n'attendent que ça. Et ça, c'est vous qui y êtes. Et vous avez un rôle historique à jouer. Parce qu'au-delà de la loi, il y a la légitimité de votre action. Qui est-ce que vous servez? Vous vous levez le matin, vous mettez votre uniforme pour servir qui? Pour servir la France? Pour servir son peuple? Quelles que soient ses sensibilités, quels que soient parfois les visages qu'il peut prendre, le matin ou dans certaines interventions, mais c'est ce peuple que vous servez. Vous ne servez pas les représentants du peuple. Ils vous donnent des ordres par délégation. Parce qu'ils ont reçu une délégation de pouvoir du peuple, ni plus ni moins. Donc ce n'est pas eux l'origine du pouvoir. L'origine du pouvoir, c'est le peuple. C'est tout ce que j'ai à dire. Force et honneur, les amis, on ne lâche rien.